sont en train de s'emparer du quartier. Bon, 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 bon. Moi je suis argentin. Et équatorien. Ah, je suis serbe. Je suis romain. Bon, ça c'est une question qu'on pose jamais à un légionnaire, pourquoi on s'engage à la Légion. Si on respecte les règles et les codes d'honneur de la Légion, ben, bon, il sera accepté. Et chacun avec ses traditions, chacun avec ses habitudes, puis il faut qu'on arrive à on mêle toutes ces traditions, toutes ces habitudes pour qu'on travaille en équipe. J'étais parachutiste chez moi. Rien que pour notre spécialité dans l'assaut vertical, on est des troupes de choc. Pour être prêt, on est un des seuls régiments en France à être capable de monter un guépard dans une nuit et partir au petit matin. T'aimerais partir en Afghanistan? Ben oui. Ah, c'est pas ça. Je suis soldat, non? Ouais. Je sais. Come on, let's go.
véhicule suicide, on a vu, hein, il hésite pas, il roule vite et il fonce, passe sur le trottoir, il passe n'importe où. Voilà, et les trois véhicules étaient vraiment prêts, donc le premier et le deuxième, ils ont dû bien ramasser là. Bon, l'embuscade, c'est de l'acquis. Maintenant, vous allez voir pourquoi. Pour savoir réagir à une embuscade, quand on parle d'IED ou de VBIED ou d'attaque suicide. Donc, je rappelle, IED, c'est Improvised Explosive Device. VBIED, c'est la même chose, sauf que c'est avec des véhicules. Libra, ça va? Alors tous les jours, hein, une petite séance d'étirement. C'est bien pour garder les bras. Sinon vous allez voir fin de, environ dans 10 jours, au bout de 10 jours de stage, commencez à avoir les tendinites pour les gens moins entraînés. Et beaucoup de fautes. La section gardez-vous à disposition des gens en tomate. Le terrain ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Un terrain très rude, difficile d'accès. Et on s'aperçoit qu'on a quand même les mêmes procédés pour tout ce qui est combat, tout ce qui est cache, tous ces procédés-là, aussi bien sur un terrain comme Djibouti que l'Afghanistan. Ici, il manque la haute montagne, hein, c'est-à-dire que le manque d'oxygène et tout ça, on ne pourra pas la trouver ici. Mais je pense que la rusticité du terrain et la chaleur, oui. On est tombé souvent sur des villageois qui avaient caché des munitions, qui avaient caché des armes et qui avaient des procédures particulières pour tout ce qui est récupération donc de ce matériel-là. C'est ce qu'on leur montre là aux stagiaires, ces différents procédés de récupération de matériel. Donc soit sous forme de cache, soit sous forme de boîte à lettres mortes pour tout ce qui est messagerie. Soit vous avez oublié, soit c'est quelqu'un qui a pris. Renseignement essentiellement, effectivement. Okay. Dans deux jours, ça sera bon parce que les talibans sera partis. D'accord, il n'y aura plus d'ennemis potentiels sur zone. Potentiel. Voilà. Non, c'est pas interne au stage, c'est général dans toutes les missions. D'accord. En Afghanistan, là, c'est pas des dromadaires qui jouent en Afghanistan, c'est des ânes. Pour faire des appros, les gens de les GCP du 8, ils travaillaient comme ça. Ils n'avaient pas de drone, mais ils avaient des ânes. On arrive à avoir pas mal de renseignements. Donc on a des personnels qui travaillent pour nous, des Afghans essentiellement, avec des échanges de bons procédés, des gens qui espèrent une accalmie sur le territoire, qui espèrent que le conflit va, une fois pour toutes, s'arrêter. Donc travaillent pour l'État français. Rien que pour notre spécialité dans l'assaut vertical, on est des troupes de choc. Ensuite, après, le REP en lui-même, il a ses spécificités vis-à-vis de ses compagnies, que même si on n'est pas engagé dans la spécialité de la compagnie, montagne, amphibie, il donne déjà une capacité opérationnelle en plus au REP. Mais réellement, notre force au REP, on est un des seuls régiments en France à être capable de monter un guépard dans une nuit et partir au petit matin. 165 jours de l'année, on est là, si on n'est pas pris par les stages. C'est-à-dire qu'on est présent. Le dernier temps, ça fait un an et demi qu'on s'est déclenché l'opération au Tchad. On a monté le guépard à 23h et on est parti à 7h du matin. Ça change pas. Ça change pas.
Pour le départ de la piste, on part dans l'ordre. 41 corps de corps en droit. Comme d'hab, 41, 42, 43. Là, c'est à l'envers. Là, c'est 41, 43, 42. Et en 2004, on a formé une équipe qui avait le dor et la gamme. La preuve. Non, on a récupéré les autres groupes. Ouais, je sais qui vient avec le... Ok, on va faire comme ça. Pour aujourd'hui, comme t'es des jours, t'es 43. Tu mets les cailloux à l'intérieur. Ok. Ok. Ça pète. Allez, on y va. Tiens, là-bas, au bout, là. Deuxième branle. Bah, on fait un chaîne allongé là. Un chaîne pyrotechnique hein, avec des explos. Oui, c'est des charges. Charges explosives. Voilà, les pains plastiques là. Plus 2 pétards à 250 grammes là. Doucement. Doucement. Comment on mettra en œuvre une charge allongée pour ouvrir une brèche dans le dévalvolé, pénétrer à l'intérieur d'un objectif et mettre en place une charge, une gêne, boîtier de jonction et retrait par la mer. Voilà. C'était la charge ? Oui. Parti. On y va. Ils sont pas du tout craintifs. Hein. Et là, ils ont faim, ils cherchent la nourriture.
Pour vous, quoi. Vous voulez les points, mon capitaine ? J'ai l'impression que pour boire, ils ont besoin de même 33 maintenant, parce qu'il y a eu deux rapaces l'autre jour. Ouais. Carton de ration, 27 cartons de ration et 14 nourrices d'eau sanitaire. Pleine. Pleine. Bon cassoulet. Et tout le monde sommes entre la Somalie, l'Éthiopie, bon, où c'est relativement calme, l'Érythrée, qui est en guerre depuis toujours avec l'Éthiopie. De l'autre côté de la mer Rouge, nous avons comme le Moyen-Orient, où il se passe quand même pas mal de choses. Donc, même si effectivement la situation est calme à Djibouti et qu'on n'a pas d'ennemis déclarés dans la région, bah, on se prépare en permanence à être opérationnel le jour J. Le pays des extrêmes, et c'est réellement vrai, quoi. C'est, on passe d'une... Vous avez vu, là, il ne fait pas très très chaud. Et bien, cet après-midi, on va passer à 40-50 degrés. Donc, c'est vraiment la terre des extrêmes. Ouais. Tava le sugo di. Le principe de la guérilla, c'est que le guérillero n'a rien avec lui. D'accord, il se nourrit sur la population. Il va cacher ses munes chez elle, il fait passer ses messages par les enfants ou les femmes enceintes, comme ça on est sûr qu'ils passeront, etc., etc. Voilà, à la fois la ruse, le mélange civil-militaire, voilà, c'est très très compliqué. D'accord, le tube d'emprunt des gaz qui ressemble aux AK. Donc celui-là, on peut l'équiper aussi avec la baïonnette type 56. Donc le calibre, bien sûr, c'est un 7,62. Donc une autre version, on reste assez proche de... Assez proche des Russes, celle-là c'est la type 56, reconnaissable ici à sa baïonnette, d'accord, qui se trouve le long du garde-main. Et ben en permanence on fait des fausses missions. Voilà, on fait chauffer les camions, on va à l'armerie, hop on remet tout, finalement on n'y va pas. Et le coup d'après on perçoit, on réintègre pas, puis on part deux heures plus tard, etc. Tout est joué comme ça, d'accord. Justement pour essayer de tromper, c'est cet ennemi qui en permanence nous voit. Il y a le film qui est très bien fait là-dessus, qui est un bon exemple, c'est tout le monde l'a vu, La Chute du Faucon Noir, hein, que tout le monde connaît. Quand ils partent de leur camp de base, là, même en hélicoptère, on voit tous les petits enfants qui sont dans la pampa, là, qui passent un petit coup de téléphone aux cousins. Et les hélicos, ils sont encore à 5 bornes de la ville, que déjà tout le monde est au courant que l'armée arrive. D'accord, bah voilà, ça c'est typiquement un procédé guérilla. D'accord. Non seulement vous êtes arrivé en avance, mais en plus vous vous exposez au danger. Si on vous dit que c'est plus ou moins 5 minutes, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est que c'est peut-être entre deux patrouilles. D'accord ? Pensez à ça. Être et durer. D'accord ? Il faut durer. Ensuite, on verra qu'il y a certains aliments qu'il va falloir éviter de manger. Parce que ça va accélérer la transpiration, ça va accélérer la perte d'eau. Et le but pour nous, c'est de garder le maximum d'eau. Ça prend 30 secondes à être posé. D'accord ? Et ça marche à coup sûr. On dégoupille la grenade.
D'accord. On attache la grenade au fil à un point fixe. Et on vient là. Ok. D'accord. Tu mettrais ça en ligne, pas, je veux pas dire en ligne de crête, mais en bordure, histoire qu'il soit visu, qu'effectivement le gars qui est à son poste, il voit un fumigène sortir, ok, c'est chez lui, c'est dans son domaine. Hop, ouais. Lève. Le barbolé, il coupe pas. Allez, on se dépêche là-bas. Le pile, c'était mal. Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse. Ici, c'est ici que ça joue le chrono. On y va, doucement. Il faut que vous équilibrez là-bas. Allez, on y va. Allez, on prend la corde, tous au bout là. Allez, action, allez, action, c'est pas ça. Attention. Là, on fait un tour. Allez, encore, encore. Poussez les genoux, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Encore, encore. Ok, attention, plus devant, plus devant. Tirez, on y va. On va récupérer la corde de l'autre côté, les gars. Bon, doucement, doucement. Faites-moi, ok. On avait les deux. Allez, mets-toi. Allez, on s'équilibre ici. Allez, mets-toi. Allez, assieds-toi correctement. Allez, c'est bon. Attrape ta sur l'échelle, attrape ta sur l'échelle. Tiens l'échelle, viens. Allez, prends la corde là. Oh, tu me lâches pas, l'homme. Tiens l'échelle. Regarde, attention. Aïe. Allez, poussez les genoux. Qu'est-ce que vous attendez là? Encore. Ok, c'est bon. Vas-y, allez, donne. Encore. Roule d'abord, devant. Roule devant. Allez, on attaque là. Allez, on attaque là. On se laisse pas là. On y va. Arrêtez. Allez, Cossier. On y va. Monte. Plie les genoux. Allez, j'attire. Monte. Oh, deux en bas, quittez les pulets là. On y va. Laisse-toi venir. Descends jusqu'en bas. C'est bien. Allez, on y va, les gars. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, trac. Allez, on y va, putain. Gros bras, t'as vu là? C'est bon, allez. C'est tari. C'est bon, laisse. Go back. On y va, Cossier. C'est un mousqueton, hein. On y va, c'est bon, on le place. Allez.
Voilà. Allez, on dépêche, là, on dépêche. Allez, allez, quoi, c'est en avant. Ça roule, ça roule. Allez, saute. Ok, on enchaîne. Ça va? Oui, ça va. C'est dur? Non, ça va. C'est un peu fatigant. C'est normal. Ah ouais, ça passe quand on transpire un peu. Ok, on enchaîne. Allez, saute. C'est parti. Voilà. Arrivez. Ok, ben ici. 29-30. Correct, les gars. Ok. C'est bien, je suis content d'eux. Ils sont les plus maigrichons, mais les plus rapides. C'est ça, les boules. Costel, mets-toi debout et bouge. On bouge. Allez, fais-toi des messieurs ici, là. C'était dur. Ah oui, c'est la chaleur surtout. Ouais. J'ai même pas fumé ce matin. Ça va? Oh, ça va. Gagné maintenant, peut-être. Maintenant, c'est tout le monde contre toi, c'est-à-dire ça va. Bah, c'est dur, quand même. Vous pouvez m'acheter une bière après, ah, c'est bien. Ça va? Oui, ça va, c'est bien. Encore la nuit, nous fait des cordes, c'est bon. Salade. Bien, Roger. Là, c'est bon, vous avez battu le record précédent. Tant pis pour les corbeaux. Hein? C'est bien, c'est un bon parcours. Des blessés. Pas de blessés. Section garde-vous. La section à la disposition de la chambre entomarquée. Section à ma disposition. Section au coin de ma repos. 4 km sous la carte, peut-être. Mais les cartes ici, ils sont depuis 1965.
France russe. Ok, on y va. Dans un premier temps, c'est de renseigner précisément sur la nature et le volume de l'ennemi, oui, qui est situé à moins de 1000 mètres. Ils sont juste de l'autre côté? Ouais. Suivi vers unité, je suis en mesure de préciser le renseignement. Ma position située en 15-364 unités. À partir de ma position, je suis en mesure de mouvement de l'ennemi. Avec vous ? Et vous avez entendu la distance ? Avec tout ça dans la main, tu fais quoi là quand il faut partir? Qu'est-ce que tu fabriques? Je te demande, qu'est-ce que tu fabriques? Mais je me bats les couilles de tes putains de merde. Tu le fais en courant, tes nœuds. Ça c'est pour le cinéma. Ça. Hein? Ici, c'est au plus près, au plus efficace. Et je me casse. Non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Normalement, il fallait des munitions de l'équipe qui était derrière, non? Bon, allez, config. Eh! Eh! Balance, là, mais. Ok. Ça va. Un peu quoi? Bon, ça en bas. Un peu de. Bon, c'est bon. Ok. Allez.
pas toujours la sécurité. C'est inadmissible de perdre un bonhomme à l'entraînement. C'est vraiment inadmissible. Pour moi. Si un jour on part à 10 et on revient pas tous, ben c'est la partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, en entraînement, on peut perdre des mecs partout. Ouais. Parce que c'est quoi un accident? C'est quelque chose d'imprédisible qui arrive, on ne peut pas le prédire. Ouais. Maintenant, si, comme j'ai dit au départ, si au départ on n'est pas serein, qu'on a fait tout le nécessaire pour pouvoir parer à tout accident, au moins à notre niveau, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas de bon travail. Parce que si vous n'appliquez pas la technique, vous ne passerez pas. Souci dans un passage particulier sur la piste, pensez-y à franchir tous les obstacles. Voilà, c'est tout. Attention, gardez-vous. Non, tout est bon. Vous avez encore de la peau sur les mains quand vous descendez. Là, ça veut dire que c'est pas bon. À fond. Où va-t-on? On va se diviser en trois groupes. Un groupe il va commencer par le début avec moi. Un autre groupe il va commencer au pot de singe, tout en haut, les réceptacles que vous voyez là-bas. Et un autre groupe il va commencer avec un autre moniteur à l'asperge, les tubes métalliques qui descendent. Là. Et pourquoi ça s'appelle la voie de la conscience? Pour mettre la pression. Ouais. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez Matic, maintenant c'est à toi là. La sirène s'attend, ce que tu prends là. Ah. C'est basta, c'est bon ou c'est pas bon? Ça va passer ou ça va pas passer? Putain, allez, monte les jambes là. Arrête de mourir là, putain, monte là. Monte tes jambes là. Allez. Monte encore les jambes, les pas, les bras, les jambes. Qu'est-ce que tu branles avec tes mains, bordel? Les jambes montent. En avance. Prends la position correctement au lieu de faire n'importe quoi là. Non, arrête d'escalader là. Hé, hey, t'as les failles dans le mur, bordel. Mets les pieds dans le trou là. Voilà. Putain, mais c'est pas possible ça. Encore un lit, je jette, tu vas voir.
l'eau et monter les pieds. Je peux demander? Allez Mathis, allez va. Allez va, allez. Il y a un mec du jury derrière, là, il va te rattraper. Vas-y, paline, si tu veux. Non, il va. Allez Mathis, tu peux t'en démarrer, il t'attend les chenilles là-bas derrière. Allez, c'est bon, l'avant. Alors, c'est à dire, situation. Sors du vide. Assure-toi là. Et tape là-bas, putain. Regarde-moi ta mélange, dis donc. Regarde-moi ton truc. Santo, tu cas, tu seras le premier. Tu me rassembles tout le monde en bas. C'est bon? Hey là, c'est le deuxième, il a dit que tu fais pas. T'es arrivé là. Allez, regarde pas en bas, regarde devant là. Regarde ton moniteur là-bas face à toi. Regarde le caporal chef là. Hey, touche pas au jerrycan toi là. Prends les sacs, deux sacs de jerrycan en avant, aligné comme ça. Oui, à l'ultime avoir, c'est nous. À l'ultime avoir, ça veut dire les nalka. Maintenant, vous prenez le deuxième sac, vous posez par les sacs respectifs, par les binômes. Ouais, un partout là. Les barres avec le trou santé là. C'est bon, allez, c'est ça, bon. Ça va sur chameau. Ça va, voilà. Mets à côté. Le gars, oui c'est bon. Il est bon ? Oui il est bon. Il vient de où ? Départ dans 30 minutes. Ok. T'es toujours au bout de l'ouest de ce que vous m'avez reconnaître là. Moi je suis toujours sur la position que j'ai donnée en point GPS. Et là je vais descendre au bout de l'ouest. Ouais, j'envoie. On est bien reçu. De toute façon, on doit venir en compte. Sac à dos par dos. Ça y est, il nous aime. Voilà, va bien, mais c'est. Noircira ici, noir pâle. Noir tango. Noir tango, a priori, je viens d'avoir rouge en forêt claire, ils sont plus trop loin du point, je crois. J'attends les coordonnées. Oui.
Chamelier et elle serait dans l'Oued, au sud de deux Oued peut-être, au sud de ce qu'on a reçu. Charlie, c'est lui. Charlie, c'est Rose, on est. Non, Tango. Tango. Ouais, ils sont en train de s'emparer du carrefour qui est au nord de ta position. Tango, je suis, j'attends. Donc pour moi, ils sont à 600 mètres de toi, plein nord. Mmh. Ouais, ils sont. Tête tire. Quand tu veux. Ouais, il y a des mecs. Pas les mains, parce que c'est l'épaule, si tu les prends les mains à l'adjudant, comment tu veux qu'il s'accroche, bordel? C'est de la merde, abruti, là! L'épaule, Matic, bordel de merde! Quand tu peux lâcher, lâche-moi! Allez, Matic, avance! C'est trop, tout de suite! Hé, Matic, toi, tu fais la rien là-bas, putain! Allez! C'est devant! Hé, go! Recommence! Tu vas apprendre à écouter et arrêter de subir! Recommence! On te dit, c'est la tête en avant, c'est la tête en avant! Là, mon gars, je t'explose la gueule de contour dehors. Et... la tête vers la bola! Oh. Espèce de pédé, là! Allez, avant! Oh, Nash! T'as la misère, t'as Nash, putain! Oh, hey! Matic, regarde-moi! C'est pas les footings, c'est bon, allez, Nash! Maintenant, lâche les capots à chef, lâche les capots à chef et Nash! Pas de force, c'est toi. Bien ici. Quelle pas de force, quelle pas de force. T'as pas de force. Arrête de douler. Roland, c'est bon. Hé, Santos. On est pas des bouées non plus. Hein. Bon, nage un peu, joli. Hein. Nage, putain, nage. Doucement. Pas de force. Quelle force, t'as pas besoin de force, nage, bordel de merde. Allez, nage un peu, moi. Tu arrives à parler, ça veut dire que t'as force. Lâche et flotte, allez. Allez, c'est parti. Les autres. Allez, vas-y, maman, allez. Ah, hey, Matic, tu veux sortir? Allez, c'est moi, là-haut. Alors, décroche-toi, lâche là-bas. Toi aussi, les grosses sont là. Lâche-moi le poutre. Lâche les poteaux. La prochaine fois, ça va dans la tronche, tu dégages. Lâche les poteaux. Lâche les poteaux. Dégage-le. Dégage-le. T'arrives pas à te contrôler, ça arrive, dégage. Prends la corde et dégage. Allez, longe tout le parcours avec la corde. Allez là-bas. Bruno, dégage-le. C'est bon.
Allez, allez, va doucement. Allez. Stage Caïd rassemblé à bord de mon colonel. Première classe, Cosma. C'est pour ça. T'as bien marché. Félicitations. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez mettre le brevet pour sortir en ville. Voilà, encore une fois, bravo. La main dessus, on prend un coup. Allez, la main sur le capitaine. Oh, c'est quoi, Regina? On